Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo qui sera encore un rôle d'action. J'avais besoin d'y retourner pour. Désolé si vous n'avez pas eu le bruit sur ma chaîne. Ça n'est pas le fait d'arriver, du coup, moi je m'en ai eu. Oui, j'avais besoin de retourner chez Action pour des envois d'une tête. En fait, j'avais plus. Je vais y arriver encore. Je crois que je me pose devant la caméra, je n'arrive pas à parler. En fait, j'avais plus d'envoi à faire depuis quelques temps, mais j'avais plus aucun envoi à faire. Et du coup, bah, j'avais plus rien, j'avais plus rien pour envoyer, j'avais plus de scotch pour. Enfin, j'avais plus rien. Et du coup, je suis allée chez Action. Je voulais trouver des enveloppes à bulles pour pouvoir envoyer, mais ils en font pas. Du coup, il faudrait que j'en achète ailleurs. Mais du coup, bah, j'ai acheté d'autres trucs chez Action, forcément, comme d'habitude. Donc, on commence cette vidéo. Alors, pour commencer, j'ai acheté un cadre comme ceci. Hop. Voilà. On peut donc le mettre comme ça en portrait. Hop. Et il fait. Alors, dessus, c'est pas écrit. Ah, c'est peut-être derrière. Oui, c'est écrit derrière. Alors, il fait 30 par. Attendez, je vous montre pas. 30 de largeur. Sur 40 de hauteur, j'y arrive. Voilà, bon, un cadre classique, parce que j'ai un truc à mettre dedans, logique quoi. Si j'achète un cadre, c'est que j'ai un truc à mettre dedans, sinon ça ne sert à rien de ça. C'est ça? Ah, ça y est, le boudin. Oh la mienne. Aussitôt que je m'occupe pas d'elle, elle boude. Je vais dire un peu, mais. Oh la mienne. C'est bien le truc que j'ai. Dans mon sac pour pas avoir 40 choses à porter, et j'ai des trucs qui se sont j'ai des trucs qui se sont sauvés, ou qui sont assez petits, hop, viens par la toile, hop, je le mets, top. Et il est bien mon sac à main, mais il n'y a pas de fermeture. Oui, catastrophe, il n'y a pas de fermeture à clé en fait pour le fermer, et du coup, j'ai plein de trucs qui me partent soit de ce côté, soit de ce côté, j'ai souvent la bélo qui se tire, ou alors bah, mon truc. Qui se barre, il fait toujours un truc qui se barre. Chaque fois pareil, et ben tomber, vous irez pas plus bas. Voilà. Alors, j'ai acheté un balai chez Action, un balai widget, Swiffer widget. Je me plaignais qu'il faisait le balai, mais il faisait pas les recharges, les lingettes imprégnées. Et en fait, si. C'est juste que je les voyais pas du tout dans un emballage comme ça, je les voyais vraiment avec l'emballage violet quoi. Et donc je les ai vus, du coup je les ai achetés, peut-être pas si cher que ça, il y en a 24 je crois dedans, c'est ce que j'ai vu sur l'étiquette, il me semble, parce que sur le paquet ça n'est pas écrit. Non. Non, ça n'a pas l'air d'être écrit nulle part. Ah si, décidément aujourd'hui je ne tiens rien dans les mains, c'est une catastrophe. Heureusement que j'ai pas fait ça en magasin parce que. Je lis pas la cata. Ah. Alors, c'est écrit ici. Je t'ai qu'il y en a 24 dedans. Ouais, je les ai pas payés. Ah, ils sont aussi trop cool. Parce que les autres, ça sent pas ouf. Ah, c'est peut-être pas pour les widgets, je sais pas. Si. Moi aussi, c'est en gros. Bref, on s'en fout. Même si ça n'en est pas, c'est pas très grave. Si, de toute façon, c'est pour faire ça. C'est pour ça. Ah, c'est peut-être pas pour les widgets parce que on voit un balai classique là. Donc c'est peut-être pas pour les widgets. Bon, c'est pas grave, je vais mettre un peu dans le coin. C'est pas très très grave. J'espère que ça tiendra juste dessus. Donc j'ai. J'ai eu les cheveux partout comme d'habitude. Et donc du coup, j'ai dû payer ça 5 euros et quelques. Et alors il y en a 24 dedans. Donc franchement, c'est quand même pas cher pour. Pour ce qu'il y a dedans. Après je verrai si ça va. Oh, j'ai des cheveux partout, c'est pas possible. Donc il va falloir que je passe l'aspirateur. Enfin, que je passe l'aspirateur, pas bien grand mieux. Que je mette l'aspirateur en route. Ouais. Donc je verrai si. Je vais y arriver hein, avec mon truc. Je verrai si je peux. C'est pas vrai. Je verrai si je peux les mettre sur mon balai widget. Dans tous les cas, ça revient quand même. Ensuite j'ai acheté, j'ai acheté du coup le scotch de chez Action, celui qui est
je ne sais pas du tout comment il arrive normalement. Bah, pour mes envois Vinted. Et il faudra que je trouve du coup des enveloppes à bulles pour envoyer mes. Pour pouvoir envoyer mes colis. Je vais y arriver. Si vous avez des sites où vous achetez, ou même des boutiques, où vous achetez les enveloppes à bulles, je suis preneuse. Hein, dites-le en commentaire parce que. Bah, j'avoue que je sais même pas où est-ce que je peux en trouver. Je pense que chez Amazon ils en vendent, mais bon, à mon avis, c'est assez cher quand même. Faudrait que je regarde sur AliExpress s'ils font ça, mais après, est-ce que c'est bonne qualité, je sais pas. Et il faudra aussi que j'achète du bulle. Parce que. Ouais, je pense qu'il faudra aussi que j'achète du bulle parce que bah, si j'ai des choses fragiles à envoyer, ça sera un petit peu mieux de mettre un peu de bulle en plus. Ensuite, j'avais fait la dernière fois chez Action, mais j'en avais pas trouvé, et là j'en ai trouvé. Je vois ça passer aussi sur des chaînes. Alors moi je ne suis pas du tout influencée, mais alors pas du tout, du tout. Et donc du coup, j'en ai pris qu'un seul paquet, il n'y en a que 6 dedans. Je vous dirai pas le nom, parce que ah, je ne connais ces mots en anglais, ça fait deux, je vous laisse voir par vous-même. Il y en a 6 à l'intérieur, et j'ai acheté qu'un seul paquet parce que. Je ne sais pas si je vais aimer parce que ça ressemble un petit peu aux Oreos, hein. C'est un cookie avec de la crème. Et j'aime bien l'Oreo mais sans plus quoi. C'est vite écœurant. Donc je sais pas, je vous dirai si j'aime bien ou pas. Bon après je pense qu'il ne faut pas en manger beaucoup sinon ça devient vite écœurant. Mais bon. Je goûterai et je vous dirai ça. Bon, et puis comme d'hab, voilà, j'en ai acheté la dernière fois, mais comme j'ai attendu le paquet, je me suis dit, j'en achète un. Donc, je vous montre vite fait, je vous en parle même pas, je vais commencer à force. Et j'ai trouvé, ça faisait longtemps, j'avais vu ça passer sur les chaînes, et j'ai trouvé un gommage au café comme ça. J'ai vu beaucoup passer aussi sur les chaînes, et apparemment, il est pas mal. Et j'ai acheté ça parce que, alors là, c'est pas vraiment influencé ou pas du tout, c'est que. J'ai un gommage en ce moment et normalement c'est pour le visage, alors je l'utilise pour le corps parce que dans la box Beautiful Box il nous envoie beaucoup de trucs pour le visage, des gommages, surtout beaucoup de masques pour le visage, mais pour le corps on n'a pas grand chose, hein. On a pratiquement rien pour le corps et du coup j'avais filmé mon gommage pour le corps et il faut que j'en retrouve un. Et celui que j'ai pris, du coup, je pensais que c'était pour le corps et en fait, non, c'était pour le visage. Et je me suis rendu compte que j'en avais plus du tout pour le corps. Donc, j'ai acheté celui-ci et l'autre, je le réutiliserai du coup pour le visage. Parce que pour le corps, il est pas mal, mais bon, de toute façon, je vous en reparlerai dans des produits terminés. Mais je le testerai quand même sur le visage pour voir ce qu'il vaut. Et du coup, je testerai celui-ci. Je n'ai même pas à les fermer. De toute façon, je vais l'ouvrir. Je vous dirai aussi si ça sent le café, si ça sent bon ou pas. Parce que moi le café, je n'en vois pas, de toute façon. Donc je vous dirai ça. Et je vous dirai surtout s'il est pas mal, parce que bon, l'odeur, oui, mais bon, ça finit par s'estomper, donc c'est pas si grave. Et du coup, je voulais racheter un sérum pour le visage que j'utilise en ce moment, que j'avais acheté chez Action, de cette marque-là d'ailleurs. Skincare. Et c'était un packaging orange, j'essaierai de vous mettre une photo si je trouve. Et c'était à. Je vais y arriver. C'était à l'acide hyaluronique et je ne l'ai pas retrouvé. Alors je me suis dit que j'allais tester celui-ci. C'est un sérum protection cellulaire au thé vert et aux extraits d'algues dorées. Pour améliorer l'hydratation à mettre soir et matin, enfin quoi, ou que le matin, ou que le soir, hein, comme vous voulez. Moi perso, je ne mets pas spécialement tout le temps le matin et le soir. Je le mets vraiment pas les portes en fait. Mais je le trouve bien l'autre, mais j'en ai pas retrouvé, donc je vais essayer celui-ci. Je vous montre les ingrédients si jamais ça vous intéresse. Il y a un putain de reflet super agaçant
Et du coup, ces petits trucs-là sont vegan, si jamais ça les intéresse. Alors, j'ai acheté ça. C'est des câbles en. Enfin, des câbles, des petites attaches en nylon. Avec un petit. Je sais pas si vous allez le voir, il y a des putains d'effets, un petit truc comme ça. Fait que pour. Il y en a 100 à l'intérieur. Ah oui, il y en a beaucoup. Hein. Bon, j'ai pas besoin d'autant, j'ai besoin de deux. Mais bon, ça ne servira pas à rien si il y en a un qui casse ou quoi que ce soit. Pour accrocher, je vais vous montrer peut-être pas une salamandre, je ne sais même pas en quoi elle est, je sais pas. J'allais dire céramique, c'est pas du tout de la céramique, je ne sais pas pourquoi j'allais dire ça. À mettre dehors, enfin je vous mettrai une photo, ça ira plus vite parce que je n'arriverai pas à vous dire en quoi elle est, ça sortira pas, donc je vous mettrai une photo, ça ira plus vite. Et du coup je voulais l'accrocher sur les barres de mon balcon. Et sauf que j'avais rien pour l'accrocher, hein, pour le moment elle est par terre sur mon balcon. Donc du coup j'ai acheté ça pour pouvoir l'accrocher. C'est ma mère en fait qui m'a fait penser, parce que chez eux ils mettent ça à la barrière, ils ont mis du grillage à la barrière pour éviter que la chaîne passe. Parce que c'est une toute petite chaîne et du coup pour éviter qu'elle passe. Ils ont mis du truc comme ça pour tenir le grillage et du coup on me dit pourquoi tu mets pas ça. Et du coup j'ai vu qu'il y en avait chez Action pour pas cher, du coup j'en ai acheté. Voilà. Tout simplement. C'est par terre, ça va éviter la catastrophe. Je vais racheter parce qu'il m'en fallait des lingettes désinfectantes comme ceci. Alors, j'aime pas trop leur packaging comme ça. C'est relou parce que quand tu l'ouvres, bah, ça sèche. Donc, j'aime absolument pas cela. Mais des trucs qui se referment, là, ils en faisaient. Mais une marque que je connais absolument pas, la marque Fargo est pas mal. Mais l'autre, c'était une marque que je connais absolument pas. Du coup, j'ai préféré prendre cela parce que je me dis si les autres sont pas bons ou elles sont pourries, je vais en avoir je ne sais plus combien, je crois qu'il y en avait 100 à utiliser alors que j'aime pas du tout. Donc ceux-là je sais qu'elles sont bien, je sais qu'elles sont bons et tout, donc j'ai pris ceux-là. Après ce qui m'embête c'est qu'il n'y a rien pour refermer quoi. Donc c'est un peu embêtant, soit je prendrai l'ancienne soit je prendrai l'ancien packaging des, je crois que c'est des Carolins. Où il y a vraiment un petit couvercle plastique pour refermer. Alors je pense que je couperai, je les mettrai dedans, je refermerai du scotch bien comme il faut, et puis bah, comme ça je pourrai les prendre bah, comme les autres en fait, parce que là dedans c'est vraiment chiant, c'est juste un petit truc collant et en fait bah, tu peux pas refermer, donc c'est très chiant. Mais bon, j'allais plus chez Action, donc je me suis dit, je prends cela, j'en ai besoin, donc je prends cela, ça ira très bien. Je ne tiens vraiment rien dans les mains aujourd'hui. J'en peux plus de voix. Oh, alors, j'ai acheté encore une bougie. Je ne sais pas combien j'en ai des bougies, j'en fais une collection énorme. Mais celle-ci, je l'ai achetée parce que. Alors je vous ai déjà dit, j'ai un souci dans ma salle de bain, il y a une odeur mais insupportable, j'ai acheté deux, je pense que je vous ai peut-être montré, je ne sais plus, j'ai acheté deux Aerowick, je crois que c'est, oh, je ne sais plus, des petits trucs, des petits cônes avec du liquide, et en fait vous l'ouvrez et ça sent bon, j'en ai mis deux et l'odeur ne part toujours pas. Ça sent toujours autant. Alors je me suis dit je vais tester ça, peut-être que ça va enfin faire partir cette odeur, parce que franchement c'est immonde, ça pue, c'est pas possible, et je ne sais pas quoi faire. Alors ça c'est marqué un parfum envoûtant jusqu'à la dernière flamme. Alors si c'est envoûtant, ça veut dire que ça doit sentir extrêmement fort, donc enfin, j'espère. Parce que franchement, je ne sais plus quoi faire avec cette odeur. J'ai tout essayé, ça ne part pas. Et là, j'en ai mis deux des trucs cool. J'essaierai de vous mettre pareil une photo. Ça ne part pas. L'odeur est toujours là. Pourtant, les deux trucs, ils sont vides presque. C'est pour ça que j'ai racheté ça. Parce que l'autre, bah, ça, j'en rachète, ça ne fait rien. Donc, ça
Donc je gaspille, je crois que c'est 3 euros et des bananes que ça coûte ces machins-là. Pour rien, parce que bah, l'odeur est toujours là. Ça, je ne sais plus, à 1 euro ou 4 ou 2, je ne sais plus. De toute façon, j'ai mon ticket de caisse, hein, ça, je vous mettrai les prix comme d'hab sur le côté. J'ai acheté un dentifrice, alors je ne sais pas du tout ce qu'il vaut. Je ne sais pas du tout ce que ça va faire. D'habitude, je prends toujours la marque Oral-B. Mais je prends le dent sensible. Le dent sensible. Un packaging rose. Sauf que chez Access, on ne prend pas, bien sûr. Et en ce moment, j'ai un autre, je ne sais plus ce que c'est. Un dentifrice. Packaging blanc, je sais plus ce que c'est. Et ça me convient aussi plus ou moins. Bon, j'ai les dents qui saignent parce que du coup j'ai plus le dent sensible, donc forcément j'ai les dents qui saignent. Mais le problème c'est que je change de dentifrice, faut que je fasse attention parce que. Alors le dent sensible il me convient, le blanc aussi. Mais il y a des dentifrices, par exemple celui-là il est à la menthe. Bon, il est à la menthe douce, mais j'ai un peu peur quand même. J'en ai marre des cheveux. Quand je me brosse les dents, principalement le soir, si je me brosse les dents, je me réveille le lendemain matin, j'ai plein de peau collée sur mes dents en fait. Ça m'enlève la peau. Le dentifrice est trop fort et ça m'enlève la peau. C'est dégueulasse, hein, si vous êtes en train de manger, pardon. Et donc du coup, je ne veux pas utiliser n'importe quel dentifrice. Je suis obligée d'utiliser un dentifrice. Enfin, presque toujours le même dentifrice en fait. Celui pour dents sensibles, j'utilisais tout le temps. L'autre, je l'ai acheté, je crois, aussi chez Action. J'avais trouvé que ça, donc je l'ai acheté. Et là, bah, je n'ai pas retrouvé celui que j'avais acheté la dernière fois. Donc, du coup, j'ai pris celui-ci, mais à mon avis, j'ai un petit peu peur. C'est quand je vois menthe, il y avait un menthe intense. Alors, j'ai dit non, pas du tout, hein, ça va être possible. Donc, j'ai vu menthe bleue, j'ai dit je vais tester, mais à mon avis. J'en avais besoin, j'ai été couchée à Action, donc j'ai pris ça, mais je pense qu'il va falloir que je rachète un dentifrice, hein, mon ami. Dentifrice doux pour l'émail. Bon, on verra bien. On verra bien. Il blanchit, renforce, protège aux extraits naturels. Voilà. Bon. Je ne sais pas ce que ça vaut. Bon, mais c'est quoi ce flou là? Ah, bien reflet en plus. Bon, bref. J'ai racheté. Ils étaient en promo, c'était en promotion de la semaine. Oui. Le truc qui me fait bien rigoler aussi. La dernière fois, je vous ai montré dans un haul action, dans mon dernier haul action, que j'avais racheté un tapis de salle de bain parce que le mien était moche. Et du coup, j'en ai racheté un. Et aujourd'hui, je vais chez Action et. Tapis de salle de bain, promotion de la semaine. Je ne me fais pas du tout arnaquer, mais alors absolument pas. Ça, pareil, promotion de la semaine. Alors, j'en ai acheté un déjà la dernière fois. C'est la promotion de la semaine. Ok. Alors, c'est pareil. C'est toujours hein, les cigarettes au chocolat. Je sais pas combien il y en a à l'intérieur, en fait. J'en ai racheté un parce que l'autre, j'ai bien entamé sa tronche. Je ne sais pas. Je vais voir avec lui. J'ai racheté, alors ça pareil, des Arizona chute au Watermelon Pastèque. Je vais y aller. Hop. Pareil, promotion de la semaine. Et j'ai pris du coup pour goûter une strawberry limonade. Hashtag. Ah, j'aimerais bien savoir ce qu'ils mettent comme ingrédient parce que j'aime bien quand ils nous mettent dessus. Est-ce qu'il y a du français? Parce que j'aime bien ce qu'ils nous mettent dedans généralement. Ils nous disent dessus fraise et puis finalement. Alors, 5% de citron. Et voilà, ça va bien. 4% de fraises. Voilà. De la poire, 1%. Ok. Pourquoi on ne sait pas, mais.
et miel. 0,09%. Ouais, bah c'est pour ça que j'aime bien le sans-papier, l'oiseau. Tenant en fruits 10%. Le reste c'est que du sucre et de l'eau. Merde, que du sucre et de l'eau. Voilà, voilà. Voilà, donc du coup, deux petits arizona comme ça. Oh, hop. Du coup, celle-ci, je l'ai terminée l'autre. Et j'ai bien aimé, elle était bonne. Après mes petits achats actions, alors j'ai pas grand chose aujourd'hui. J'ai déjà fait un haul il y a pas longtemps en fait. Je sais même plus parce que j'y suis allée, je crois, il y a 15 jours à peine, je sais plus. Donc du coup, il y a pas grand chose. J'avais écrit comme ça ma liste sur mon téléphone. Généralement, je fais ça, j'évite de prendre un papier et d'écrire dessus. Ça évite de gaspiller le papier pour rien. Je prends mon téléphone pour écrire mes listes de courses ou mes listes d'actions, mes listes de où est-ce que je vais, quoi. Peu importe où je vais faire des courses. Et la fille intelligente, j'ai oublié mon téléphone dans la voiture, forcément. Sinon, c'est pas marrant. Donc du coup, je ne sais même pas si j'avais tout. Ah oui, je voulais un porte-rouleau pour les rouleaux de PQ en fait. Voilà. Et j'en ai pas trouvé, ils en avaient plus. Et puis il y en a tout le temps. Chaque fois que j'y vais, il y en a tout le temps. Puis oh, je reste à plus tard. Puis maintenant que j'en reviens, il y en avait plus. Voilà, voilà, les lingettes, c'est bon, j'ai trouvé. Et puis les gâteaux, que je voulais goûter. Petite crème. Non, en fait, c'est bon. J'ai quand même une bonne mémoire. Je pensais que ma mémoire me faisait des problèmes, mais en fait, pas du tout. J'ai réussi à avoir tout, enfin, parce qu'il n'y avait pas, mais sinon, j'ai réussi à avoir tout ce que j'avais besoin. Bref, j'arrête. J'arrête pas de me cogner, c'est pas possible ça. Bref, j'arrête de parler. Je vais faire mon sport parce que du coup, je n'ai toujours pas fait mon sport. Il est 18h25 et je n'ai toujours pas fait mon sport. Tout va bien. Donc, je vais ranger tout ça déjà. Je vais faire mon sport et. Oh, ma chienne est calme. Elle est en train de dormir. Je pense qu'elle va se raffoler quand je me mets. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous savez où je peux trouver des enveloppes à bulles ou même des petits cartons des petits cartons parce qu'ils en vendent à Action mais c'est des grands cartons et des grands cartons quand on a juste une paire de boules d'oreilles ou des trucs comme ça envoyés, bah ça fait un petit peu grand quand même, hein. Donc, soit des enveloppes à bulles ou des petits cartons. Donc, n'hésitez pas à me laisser. J'arrive vraiment pas à parler aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser en commentaire, du coup, pour les enveloppes, si vous trouvez des petits cartons, voilà, ce genre de choses. Ou même à commenter cette vidéo, si le cœur vous en dit. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.